l'importance de l'intégrité, pour moi, ça crée un climat de confiance. Vous savez qu'au Mali, quand on est intègre et honnête, surtout dans les milieux professionnels, c'est pas facile. Au début, tu n'es pas apprécié par beaucoup de gens. Mais au finish, quand les gens te comprennent que vraiment, sincèrement, c'est ton comportement, finalement, ça va créer une relation saine. Je suis Sergent Sédou Dao, je travaille à la maison d'arrêt de correction de Guinée. C'est un garçon jovial d'abord. Je peux dire que Sédou a épousé son métier avec ardeur. Il aime son métier. Il l'exerce avec abnégation. Il est très ponctuel. Il est assidu. La conscience professionnelle le gagne beaucoup. La première chose que j'aime chez lui, c'est que sa ponctualité et sa manière de faire son travail. À chaque fois quand on a besoin de lui, il répond affirmativement, que ce soit qu'il soit au repos ou qu'il soit de service. L'État a sa part de responsabilité, et ça veut dire quoi? L'État doit créer des mécanismes pour réellement faire beaucoup de choses par rapport à la promotion de l'intégrité de l'honnêteté au Mali. Et même les agents, même la population en général a une part de responsabilité là-dedans. Il faut un changement de comportement de façon positive. Parce qu'on sait que les prisonniers sont des gens comme vous et moi, comme nous tous. C'est des gens qui ont peut-être commis des fautes, qui ont fait des erreurs et qui sont là dans le cadre de leur correction et leur insertion sociale. Donc c'est toute une éducation qu'il faut. Donc il ne maltraite pas ses prisonniers, chose que j'ai remarqué. Et il ne parle pas des défauts de ses prisonniers au monde extérieur. Depuis qu'on a rencontré Soraya, ça a l'air d'être ma tigara. Je n'ai pas été ma tigara, à quoi faire n'y est-ce pas. Mais il y a des gens qui ont été mis en train de se faire, et qui ont été mis en train de se faire. Il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Aga bara kanumba la kati ko nan be kay fudi haramadian fudi ni haramadian le ban ko ni wonje j'avais vu tout le monde réellement a changé à mettre le pays au dessus de tout. Quand on met l'État au dessus de tout, vraiment ça pourra marcher. Essayer de voir ensemble l'intérêt général qui est l'État.